C'est un grand plaisir de vous accueillir ici dans cette belle ville de Nantes où j'ai écrit la plupart de mon œuvre. La ville était, vous le savez, un important port maritime et un lieu de passage pour tous les navigateurs et les explorateurs, ce qui a sans doute nourri mon imagination. C'est d'ailleurs ici que fut construit le Nautilus, le sous-marin du capitaine Nemo. Et c'est de là aussi que partit la fameuse expédition pour retrouver les enfants du capitaine Grant. Ah, qu'est-ce que je viens d'entendre? Vous me demandez si je suis... Comment? Si je suis breton. Excusez-moi, cela me fait sourire. Suis-je breton? C'est la grande question, n'est-ce pas? J'ai l'impression que cela vous taraude et vous divise depuis pas mal de temps. J'ai ma petite idée, mais je me garderai bien de vous la livrer. Oui, je sais, Pays de Loire ou Bretagne, c'est la question qui fâche, n'est-ce pas? Laissons cela de côté si vous voulez bien. Je suis donc né à Nantes, tout près d'ici, il y a bientôt 200 ans. Oui, je sais, je ne fais pas mon âge. J'ai toujours gardé une âme d'enfant, que voulez-vous, c'est peut-être pour ça. N'oubliez jamais votre âme d'enfant. C'est elle qui nous fait voyager loin, très loin. Eh bien, la légende veut que lorsque j'étais enfant, je me suis caché dans la cale d'un navire en partance pour les Indes, pour explorer le monde et assouvir ma soif de découverte. Eh bien, cette légende me plaît bien. En effet, j'avais à peine 11 ans, mais hélas, au dernier moment, mon père m'a rattrapé et a empêché ce voyage. Ma mère bretonne était pourtant fille de navigateur et d'armateur. J'avais ça dans le sang, comme on dit. Mais cet épisode m'a beaucoup marqué et j'en ai tiré une leçon. Écoutez bien. Suivez toujours votre intuition première. Au fond de soi est la vérité. Vivez vos émotions en vrai, les yeux grands ouverts plutôt qu'en les rêvant. Vivez vos émotions en vrai, les yeux grands ouverts plutôt qu'en les rêvant. Eh bien, moi, plutôt que de voyager, j'ai écrit des histoires à vivre dans un monde dont j'ai tenté de repousser les limites. J'ai raconté environ plus de 60 voyages extraordinaires, autant d'histoires mêlant aussi bien la science que la géographie, la physique, l'astronomie, l'océanographie et toutes les connaissances de mon époque. Certains disent que je suis l'inventeur de la science-fiction. Mais il est vrai que le voyage au centre de la Terre, le tour du monde en 80 jours, de la Terre à la Lune ou encore 20 000 lieues sous les mers ont marqué les jeunes générations de mon époque. Est-ce encore le cas aujourd'hui? Je ne sais pas. Je l'espère. On dit aussi que mes romans ont ouvert la voie à beaucoup d'explorations et qu'un grand nombre de mes inventions se sont réalisées et existent aujourd'hui. Eh bien, si l'homme a marché sur la Lune, croyez bien que j'en suis très flatté. En somme, ce que j'ai rêvé, vous l'avez fait. Quand je vous vois tous réunis autour de moi, en société savante, confrérie d'entrepreneurs intrépides, formateurs, pédagogues, experts en toutes choses, je vous envie.
Oui, ce que j'ai rêvé, vous l'avez fait et vous le faites. Vous avez traversé les frontières, voyagé au-delà des mers, des continents, utilisé votre créativité, votre audace et parfois votre courage pour bâtir ce monde. Eh bien, je peux vous le dire maintenant, j'aurais aimé être aussi comme vous un entrepreneur. Car comme vous, j'aime inventer. Explorer les mondes nouveaux et les péripéties de l'exploration humaine et scientifique. Si je suis aujourd'hui parmi vous, c'est que nous avons un point commun. Oui, nous avons une même passion, celle d'explorer ces mondes sociaux qui se transforment et qui nous transforment. Vos entreprises sont une part de vous-même importante, je le sais, vous y avez mis votre talent, votre persévérance, votre cœur. Et comme chacun de mes personnages, vous cultivez cet idéal d'apporter votre pierre à l'édifice d'un monde que l'on souhaite tous meilleur. Vous avez dédié, tout à côté d'ici, un grand espace à mon nom, le Métaverne. Vous y avez placé des jeux, des animations, des explorations que j'avais esquissées dans mes ouvrages. C'est un grand honneur pour moi et je vous en remercie. Métaverse et Jules Verne, en somme, je suis aujourd'hui en quelque sorte la vedette en partie de ce forum riche en découvertes. À vous entendre, je serai en quelque sorte l'incarnation de la modernité et du progrès. Modernité et progrès, d'accord. Mais au service de la nature. J'aime la nature et j'ai toujours eu à cœur de la protéger. La mer tout particulièrement. Dans 20 milieux sous les mers, le capitaine Nemo fut un de mes porte-paroles. Je vais vous lire un extrait de ce qu'il disait sur la mer. Écoutez bien, la mer est tout. Elle couvre les 7/10 du globe terrestre. Son souffle est pur et sain. C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence. Elle n'est que mouvement et amour. C'est l'infini vivant. La mer est le vaste réservoir de la nature. C'est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé et qui sait s'il ne finira pas par elle. Là est la suprême tranquillité. La mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore exercer des droits iniques, s'y battre, s'y dévorer, y transporter toutes les horreurs terrestres. Mais à 30 pieds au-dessous de son niveau, leur pouvoir cesse. Leur influence s'éteint. Leur puissance disparaît. Ah, monsieur, vivez, vivez au sein des mers. Là seulement est l'indépendance. Là, je ne reconnais pas de maître. Là, je suis libre. Je croyais à ce rêve de mer et de liberté. C'est ce que j'avais imaginé pour les générations futures. Hélas, il n'en est rien. J'en suis très triste. Si vous le saviez. Car la mer est aujourd'hui polluée, mes amis. L'océan est souillé d'immondices qui viennent de la terre. Les ports y déversent dans ces eaux leurs déchets, leurs ordures, les rivières y déversent leurs eaux chargées de matières organiques et inorganiques, et les navires y déversent leurs huiles et leurs déchets. Il est bientôt plus possible de se baigner à certains endroits sans risquer d'y laisser sa peau.
Les poissons sont contaminés, comme les crustacés, la barrière de corail est menacée, les algues prolifèrent, les courants sont perturbés, les tempêtes aggravées. Le climat est modifié. Prenez soin de l'océan. Prenez soin des montagnes. Prenez soin des rivières, des forêts. Rien de grand ne se fait sans le sentiment de l'amour et du dépassement de soi. Puisez en vous la beauté pour faire de ce monde ce dont vous pourrez être fiers et transmettre à vos prochains. Aimez-vous. Aimez ce qui vous entoure. Aimez ce que vous avez créé. La nature est un soutien toujours. Elle est une grande inspiratrice. Ressourcez-vous en elle. Respectez-la. Car elle est un élément majeur de votre épanouissement. N'est-ce pas ce que nous disent Michel Strogoff et Nadia Fedor lorsqu'ils traversent la Sibérie en plein tourment ? Même aveuglé, Michel Strogoff trouve les forces pour combattre et triompher de l'adversité. Et cette force, elle lui vient de la nature et de sa foi en elle. Soyez les forces de la nature. Pour terminer, je voudrais vous lire un extrait que j'avais écrit dans Les Indes Noires en 1877, il y a bientôt 150 ans. Il y est question de l'énergie qui viendra un jour à manquer. C'est assez amusant de relire cela aujourd'hui. La nature si prodigieuse, si prodigue d'ordinaire, n'a pas enfoui assez de forêts pour une consommation qui comprendrait quelques milliers d'années. La houille manquera un jour, cela est certain. Un chômage forcé s'imposera donc aux machines du monde entier si quelques nouveaux combustibles ne remplacent pas le charbon. À une époque plus ou moins reculée, il n'y aura plus de gisements carbonifères, si ce n'est ceux qu'une éternelle couche de glace recouvre au Groenland, aux environs de la mer de Baffin, et dont l'exploitation est à peu près impossible. Et si l'énergie de demain était moins faite de combustibles fossiles, mais davantage d'audace humaine? Soyez tous au cœur de l'innovation. Ouvrez le chemin à ceux qui doutent. Travaillez plus souvent ensemble pour relever les défis de demain. Soyez déterminés et audacieux. Voilà, chers amis, le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui en toute humilité. Dans quelques instants, deux témoins de votre monde viendront à votre rencontre. Un aventurier qui aurait très bien pu traverser aisément tous mes romans, et une héroïne qui ne laisse pas indifférent, à qui sait écouter avec son cœur. Voilà, j'ai été très heureux de venir témoigner devant vous de ma petite expérience d'homme de lettres et d'homme de lettres. Je vous souhaite maintenant, durant ces deux jours en pays nantais, de belles découvertes et plein de bonheur. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci Jules. Je peux vous appeler Jules ? Oui. Merci. Je vais suivre la chemin de Jules Verne. Je crois que ça ne m'arrivera qu'une fois dans ma vie. Voilà. Moi, je fais la bise à Jules parce qu'il va repartir. Merci pour cette saine colère et merci pour ce regard impitoyable de voyageur du temps. Merci évidemment à Christophe Malavoie que vous aviez reconnu. Merci. Immense artiste.